When you are nude, naked in magazines, movies, whatever, do you ever feel guilty towards your father who is a pastor? What do you say, what do you see when you wake up every morning and you see me in the mirror? Ça dépend de quel jour dans le mois. Si jamais on m'en règle, j'ai fait la gueule un peu, si je sens bien. Moi, je suis très slow dans le matin. Moi, je regarde pas tout de suite dans le glace. Je reste dans le lit, je mange dans le lit, des fruits, des choses comme ça. Je me laisse tous les cendres, blood, vient à ma tête doucement. Après, j'ai fait un peu d'exercice et tout ça. Et quand je regarde, finalement, quand je fais comme ça, ça va. Je dis, bon, c'est très bien. What would you change about yourself if you had that magic touch? Bon, physiquement, je change, changerai mes jambes entre le genou et les chevilles. Ils sont trop petits. J'ai l'air d'être cheval. J'ai des jambes cheval. Do you think you have this androgynous look because you had a brother for a twin? Ouais, on est tous. Moi, heureusement, j'ai trouvé ça dans moi, l'homme et la femme. Il faut maintenant, je trouvais bien l'homme maintenant. La femme, elle va venir. Ça commence. Jean-Paul Gould, Dolph Lundgren, both your lovers. They're all white, hein? Huh? Are you racist? C'est pas vrai. Il y avait quand même Chris Stanley qui est noir. Bon, et ça veut dire qu'il est noir, même il a les yeux bleus, il a les yeux verts, mais il est noir, il est jamaïcain justement. Parce que je pense, moi je suis, dans ma tête, j'ai une vie européenne. C'est sûr ça. Peut-être dans une autre vie avant, je ne sais pas. J'ai appris le français dans 3 mois. J'ai pris l'italien dans 2 semaines. Ça veut dire, c'est pas normal. J'écris le français, je lis, j'ai écrit et j'ai jamais pris un cours. Alors, j'ai en moitié une vie européenne, c'est ça qui me tire. What did you lose when you left Jean-Paul Gould? J'ai rien perdu parce que j'ai beaucoup à apprendre. J'étais un peu immature, ça veut dire, petite fille, il m'occupe vraiment beaucoup. Finalement, à la fin, je veux qu'il m'aime dans une autre façon que lui, il ne peut pas m'aimer. Et lui, il voudrait que moi, je l'aime dans une façon que moi, je ne peux pas aimer lui. Finalement, je pense, on est tous les deux grandis, comme on dit. Devenu adulte. Et maintenant, on est vraiment des amis. Je comprends maintenant. Je l'aime lui maintenant de façon qu'il voudrait être aimé et au contraire. Alors, rester amis, l'amour est grand, est plus grand qu'avant. Sauf on ne vit pas tous les jours ensemble. Sinon, on fait chacun. Hein? On est trop fort pour rester tous les jours ensemble. Do you often see your son you had with Jean-Paul Gould? He's in school in Paris. Do you miss him? Oh non, je le vois tout le temps. Je mène avec moi. Bon, moins qu'avant, parce qu'il est en école. Mais quand même, je lui vois peut-être plus que quelqu'un qui reste dans la maison tous les jours avec lui. Pour moi, le temps que je lui donne, c'est un temps de qualité. Quand je fais les tournées, tout ça, quand lui, il n'est pas en école, il est avec moi. Et moi, quand même, je vis ici aussi, il est en école en France. Et moi, je prends le Concorde, heureusement, il y a ça. La France Concorde, c'est super, parce que je prends tout le temps. C'est 3h30, c'est très, très bien. Grace, when you are nude, naked in magazines, movies, whatever, do you ever feel guilty towards your father who is a pastor? Mais non, hein, lui, il rigole maintenant. Il dit, bon, dans mon famille, on a plusieurs du fol, alors ça va. Il est habitué. C'est pour ça qu'il est prêtre, hein, pasteur. Parce que sinon, lui-même,
Il peut faire des bêtises comme ça. Can you clarify what happened in Jamaica with the cocaine bust? Ça veut dire que je ne peux pas parler justement de ça parce que c'est, j'ai encore la justice dans quelques jours. Alors après le 14 décembre, je peux venir encore et je peux tout dire. Pourquoi? Bon, il y a des gens, des familles de Christian Lee et tout ça qui étaient là-dedans et ils sont dangereux. Did you return to the music because you failed in the movies? Oh, pour moi, j'ai arrêté dans le cinéma parce que c'est pas à cause de ça marche pas. Parce que chaque fois, j'ai fait un truc, c'était trop long à faire. Ça veut dire, dans le cinéma, pour jouer un rôle, premier rôle, même un deuxième rôle, un troisième rôle, ça veut dire ça prend 7 mois de ta vie. Your new album, Bulletproof Heart, who wrote the words? C'était moi. J'ai écrit cette parole, c'était la fin d'une relation privée. On a fait un très grand bagarre. J'étais tellement fâchée. Alors cette chanson pour moi, c'était un exorcisme. Ça veut dire que j'ai vomi tout là-dedans. And what about the music? C'est Chris Stanley qui a fait la musique. C'est un écrivain, un compositeur jamaïcain que j'ai rencontré là-bas. On a tombé amoureux, on a commencé à travailler ensemble. Et je lui dis, je lui explique toutes les choses qui m'arrivent avec mon ancien amour et tout ça. Alors il a fait une musique très très dure. Give me a good reason why I should buy this record. Ça fait rire, pleurer, battre. Tout, il y a tout des, il y a des anger là-dedans, tu te fâches, ça te libère finalement. You are known as a night clubbing person. Is there any dance music on this record? Normalement, je voudrais appeler ce disque dance your ass off. Ça veut dire vraiment danse jusqu'où t'es plus de cul. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.